Salut à tous, c'est Zach. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à soutenir Power Jumper dans la boutique, les gars. C'est grâce à lui que j'ai fait autant de vues sur ma dernière vidéo. Du coup, je le remercie en mettant son code créateur en bas à droite durant toute la vidéo. N'hésitez pas à le mettre, les gars, ça lui ferait énormément plaisir. C'était Zach, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Zach et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, les gars. Je vais présenter mon casier. C'est la première fois que je vais présenter mon casier sur ma chaîne. Du coup, on commence tout de suite avec l'arachnée. Elle est juste magnifique. C'est l'un des plus beaux skins que j'ai en légendaire. Il y a la cible qu'on a avec les semaines 10. Calamité, c'est la base. Je l'ai en full. Voilà. Elle est vraiment magnifique en full. Il y a Carburo que j'ai aussi avec toutes les couleurs. Fallait atteindre le level 65, je crois. Après, j'ai KO du Twitch Prime numéro 1. J'ai Chef d'équipe rose qui est un skin Sauver le monde. Quand on a le Sauver le monde, on l'a. Il y a Valora, passe de combat numéro 4. Peinture de guerre qui est aussi un skin du Sauver le monde qu'on a gratuitement quand on a le Sauver le monde. Omega que j'ai aussi avec toutes les lumières, il fallait atteindre le level 80 je crois de la saison 4. Il est super beau. Il y a la nomade avec la cape et les éclairs. J'ai Lycan mais je ne l'ai pas full lui. J'ai pas beaucoup tryhard cette saison. J'ai le visiteur du pass de combat numéro 4, il faut les terminer 7 défis. Le faucheur. Le chevalet noir, l'un des skins les plus rares du jeu, les gars. Il est magnifique. Le voyageur noir, saison 3. L'agent d'élite, aussi saison 3. L'agent rebelle, qui était dans le premier pack à 5 €. L'ailier, pack à 5 €. Harley Quinn, c'est un skin à 1500 que j'ai acheté dans la boutique. Ça va, il est assez beau. La chaperon rouge, qui est dans le dernier pass de combat. La chasseresse, dans le pass de combat numéro 5. Et voici le skin le plus rare de mon casier, les gars, le gentil maraudeur, qui est l'icône de ma chaîne YouTube. Il est juste magnifique, les gars. J'espère que la femme sortira pendant Noël. Je l'achèterai directement. La fonceuse, les gars, un skin NFL qui est juste magnifique. Je pouvais pas ne pas acheter un skin NFL, les gars. C'était juste trop beau. C'était magnifique comment ils étaient. Le fier destrier, l'exploratrice lunaire, l'épouvantail, les gars, que j'ai acheté aussi il y a pas très longtemps pendant Halloween, à 1500 V-Bucks. Le DJ Lama, la cucubatrice, le crépuscule, la graffeuse, l'as, le pack à 5 €, le faucon, ligne rouge, le mitrailleur fluo qui est très très beau. La Nara que j'ai acheté à 1500 V-Bucks avant ou avant-hier, je m'en rappelle plus, c'était il y a pas longtemps. Le Twitch Prime numéro 2, le roi de la rouille. La buteuse implacable, je l'ai acheté à 1200 V-Bucks et franchement, c'est le skin le plus rentable que j'ai de 1200 V-Bucks parce qu'on peut le changer presque tout le temps. L'assassin arctique que je mets beaucoup, que j'aime beaucoup aussi. Zoé, le spationaute, le sous-commandant qui est magnifique aussi, qui était un Twitch Prime numéro 1. Le soldat facette qui est très très rare, les gars. Il a saison 2, je l'ai eu. La sauveteuse à saison 5. Le sanctum que j'ai acheté à 1500 V-Bucks dans la boutique. La chevaleresse qui est assez rare. Le écuyer bleu qui est assez rare aussi. La fléchette qui est magnifique. Voilà, l'écuyer bleu, les gars, je vous le remontre. Il est vraiment beau. Et le luminex qui est pas trop mon style. J'aime pas trop. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Bon, attends, on va passer à mes pioches, les gars. J'ai la séphir. Le pot citron, j'ai pas trop acheté de pioche, les gars. La méga sucette. L'instigratrice, excuse-moi. Impulseuse, qui est un passe de combat numéro 2. Qui, du coup, qui est très très rare. Non, numéro 1, excusez-moi. Du coup, elle est très très rare. C'était pendant la saison 2. La hache Calibur, qui est aussi pendant le passe de combat numéro 1. Mais c'était la saison 2. La hache luisante. La fulgurante, qui est aussi dans le passe de combat numéro 2. Non, numéro 1, dans la saison 2. Excusez-moi. L'achevé, la rupture, la tendresse, la baudruche. Elle, c'est passe de. Ça, c'est les Twitch Prime, les gars, je suis désolé. Clé en croix, contrôleur DJ, Dante, entailleuse, la pioche d'Oméga, la double fonction, qui est très très belle. La duratrice, la pelle à neige, que j'ai acheté à 800 V-Bucks dans la boutique. La faucheuse, que j'ai acheté à 800 V-Bucks, j'étais obligé de l'acheter, les gars. La masse flow que j'ai acheté à 1500 V-Bucks dans la boutique. Elle est vraiment très chère, mais elle vaut son prix, je crois. La Fossil House que j'ai acheté à 1200 V-Bucks. Je l'avais acheté parce que je pensais qu'ils allaient pas ressortir la faux. Maintenant, on va passer au planeur, les gars. J'en ai pas beaucoup. J'en ai acheté que un. Mais tous les autres planeurs,
C'est-à-dire lui, du fondateur par exemple, je les ai, genre les planeurs, tout ce qui est parapluie gratuit, j'ai tout. Les parapluies, d'un moment, j'ai toutes les saisons. Là, ils sont vraiment magnifiques, les gars. Ma préférée saison, c'est la saison numéro 5. Il est magnifique, le planeur. Enfin, le parapluie. Voilà, un planeur assez rare, les gars. Tu passes de combat numéro 1. C'était lors de la saison 2, les gars. Les deux, ils sont magnifiques. Ça, je me rappelle plus, c'est quelle passe de combat. Lui, je sais que c'est passe de combat numéro 2, c'est-à-dire la saison 3. Lui, c'est la saison 6. Lui, c'est la saison 5, je crois. Je suis plus trop sûr. Le démon disco, il est vraiment magnifique. Passe de combat numéro 1, la saison 2. Le diffuseur, le petit pack avec Twitch. Intrépide, c'est la saison 4, je me rappelle très 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 bien. Lui, c'est la saison 3 avec le skin faucheur, fallait terminer des défis. C'est le seul planeur que j'ai acheté. Il est magnifique, le carpe. Hein. Friandise, j'aime bien le mettre. Planeur magique. La cylindrée. Magnifique. Le conquérant, que je mettais beaucoup pendant un moment, mais j'ai arrêté de le mettre. L'aile de Valora. Ce parapluie, il est magnifique, les gars. C'est mon préféré. C'est lui mon parapluie préféré. Lui aussi il est beau, c'est pour ça que je les ai mis en favori. Ce planeur que j'ai beaucoup mis, que j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire sur ce planeur. Le nuée noir que j'aime aussi beaucoup. Et le dernier planeur qui est mon préféré, la locomotive noire. C'est le planeur que je préfère, les gars. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup acheté de planeurs sur Fortnite. Parce qu'ils en ont donné un, il est juste magnifique. Et il me rappelle le train d'Harry Potter. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup acheté de planeurs. Maintenant, on va passer en danse, les gars. J'en ai vraiment pas mal. Du coup, ça, c'est la danse gratuite. Le breakdance. La danse slave que j'achète à 800 V-Bucks. Le fièvre disco, excusez-moi, à 800 V-Bucks aussi. Le flamenco, saison 6. Freestyle, qui est dans le pack Twitch Prime numéro 2. Groovy, la saison 4. Vraiment très très belle danse. Hotmarat, qui était gratuit, les gars. Le floss, saison 2. Déhanché à 500 V-Bucks. Le petit dab à 500 V-Bucks aussi. Le calcul mental, saison 5. Ça urge, saison 6. Balai-masque, c'est l'une des meilleures danses gratuites, je trouve. Le robot, saison 3. Impatience, saison 5. Je cours, qui est vraiment très très belle, saison 6. Le gig à 500 V-Bucks, qui est sorti pendant la saison 3. Le verre, saison 2, les gars. Il était dans le pass de combat. Meilleur pote. Ondulance. Le popcorn. PTDR que j'ai acheté à 500 V-Bucks dans la boutique. Le respect. Jubilation à 200 V-Bucks dans la boutique que j'ai acheté. Courbette. Clap clap. 200 V-Bucks dans la boutique. Tu déchires. Le tagado. T'as perdu. Et le salto arrière, les gars, à 500 V-Bucks dans la boutique. Voilà, après c'est des saluts, les gars, je les ai tous. Voilà. Après, les gars, j'ai toutes les traînées. Enfin, je les ai presque toutes. Il m'en manque quelques-unes parce que j'ai pas beaucoup joué à la saison 5. Du coup, il m'en manquait une ou deux. Les fonds d'écran, j'en ai pas mal. Je les ai presque toutes aussi. Dans mon manqué 6-7, c'est parce que ça m'intéresse pas trop. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. C'était Zach. Bye.